prends les vachements. Ah, c'est mieux. Tac. Bonjour à tous. Bonsoir YouTube. Putain, je viens de me piquer sur un méga nobs. Aïe. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque, eh bien, on sera sur Doom Eternal. Et Doom Eternal, eh bien, il nous casse les burnes parce que nous sommes au boss de fin. J'ai été vérifié. Hein. On est au boss de fin et on est à la dernière phase. Ce qui veut dire qu'en fait, si je réussis du premier coup, ça n'arrivera pas. Mais en fait, il est possible que là, dans 10 minutes, le stream se termine. C'est ça qu'il faut que vous vous dites. En fait, je pense que le stream va se terminer à partir du moment où je vais en avoir ras le cul et que je vais craquer pour utiliser l'armure Sentinelle, qui, comme je le rappelle, est une armure qui t'aide, en fait, apparemment que contre les boss. Quand vraiment t'es bloqué et puis voilà quoi. Je vais être honnête, je pense qu'il serait possible que j'arrive à faire 100. Mais ça va me demander un peu de chance en plus du talent. Donc bon. Je sais pas trop. J'aimerais éviter de l'utiliser, bien évidemment, hein, pour l'ego, tout ça. De toute façon, si jamais je l'utilise, il paraît évident que je vais. Tiens, je vais voir si je peux changer. Il paraît évident que de toute façon, je vais probablement changer derrière pour. Comment dire, que je vais essayer, retenter un jour de le jouer. Oh, le Space Marine Doom classique. C'est rigolo ça. Quelle est la différence entre l'armure basique et l'armure Praetor? On va mettre la Praetor. Pourquoi je remets une autre armure? C'est parce que celle-là on voit pas les yeux. On voit pas le visage du Doomguy. Et bon bah voilà, il y a une cinématique de fin. Probablement. Donc bon. Ça me paraît un petit peu. J'aurais bien mis le classique, hein, néanmoins. Allez, on va mettre le classique. Comment il va, West? Ah, stylé. Mais je pense que de toute façon, Doom Eternal, on se le refera. Hein. On va se le refaire. Hein. Évidemment. Continuer la partie. Donc là, en fait, rappelez-vous. Je vous remets dans le contexte. Attention, si vous commencez cette vidéo YouTube alors que voilà, oulala, je précise que je suis bien en face du boss de fin, donc cassez-vous que j'ai envie de dire. Je rappelle que le problème de ce boss, c'est pas le boss en lui-même, c'est le fait qu'on a en réalité des lasers qui parcourent la pièce. On a un cairn sanglant, enfin un maker sanglant là, qui nous casse les couilles et qu'on peut pas tuer. À part quand il attaque. Sauf que il y a un Doloris qui est possédé par un spectre. Et il y a un chevalier de l'effroi qui est possédé par un spectre aussi. Et que tant qu'on n'a pas tué ces deux connards-là, on ne peut pas vaincre le boss. Sachant que, apparemment, dès qu'on aura fait ça. Derrière le boss, en fait, il est. Il n'y a rien à faire, quoi. Tu t'en approches et boum. Et c'est la fin du DLC. Bah écoute, ça va très très bien. Tranquille. Retour du travail. Travail s'est plutôt bien passé, même si j'ai mal aux mains. Parce que là, le problème, c'est qu'ils veulent. Enfin, le problème. Là, le boulot, en fait, ils veulent absolument une certaine certification et du coup, ils sont beaucoup plus. Ils font plus, beaucoup plus gaffe à la sécurité. Et donc, même si tu n'en as pas le besoin, que tu en ressens pas le besoin et que tu es loin, ils te forcent à utiliser des énormes gants.
Même si c'est, il s'agit d'un démoulage et que t'es à plusieurs mètres du tunnel de surgélation. Du coup, tu te balades avec des gants vinyle, les fameux gants ninja qui protègent contre tous les trucs de chaleur. Donc t'as des putains de gants de ouf. Derrière, tu dois remettre des gants vinyle. Sachant que s'ils veulent vraiment t'emmerder, ils te demandent de mettre des manchettes. Et que là, les manchettes, et ben, des fois, c'est des manchettes qui font la forme d'un gant. Du coup, t'as 4 épaisseurs de gants. Voilà, j'ai bien mal aux mains. Bon. Donc, comme je le disais, je pense qu'on va se prendre une grosse branlée. De toute façon, là, comme je suis pas chaud, je vais réapparaître, je vais me remettre les touches dans les mains. Qu'il va me. Il va me péter la gueule. Alors après, j'aimerais savoir, est-ce que elle revient cette tronçonneuse? Je ne sais pas, regardez comment je prends extrêmement cher. Voilà. Donc il réussit à me faire super mal alors que ben. Voilà, en fait, il y a des téléporteurs, mais les mobs savent que tu vas apparaître à tel ou tel endroit. En fait, j'ai bien une stratégie, on va essayer. Bon, là, il me propose déjà l'armure sentinelle. Mais je pense qu'on va craquer et qu'on va s'en servir, hein. Mais bon. On va quand même essayer, on va faire quelques essais. Moi, je propose, c'est qu'on essaye pendant, allez, 2 heures. On va essayer pendant 2 heures de passer le dernier, la dernière phase du boss comme ça. Et si jamais vraiment on n'y arrive pas, tant pis, on prendra l'armure sentinelle. On va pas rester bloqué sur Doom Eternal pendant des heures et des heures, quoi. Et un jour, on se le refera sûrement et on essaiera de passer outre l'armure sentinelle. De toute façon, je m'en suis jamais servi cette armure d'ailleurs, puisqu'on n'a jamais vraiment été bloqué. Donc je sais même pas si vraiment elle est utile. Hein. Ça se trouve, elle pue la merde. Bon, ça, mon petit Orson. Ça se trouve, elle pue la merde, l'armure sentinelle, et on le sait même pas, ça. Bon, là, je reprends pas mal de vie. Le but c'est de courir un petit peu, de les faire un peu courir. Oh! Oh! Il y avait déjà un spectre? Déjà? On lui aurait fait si mal que ça? Oh, c'est que je devais vraiment être fatigué, alors il y a. Non, 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 en fait, il n'y a pas de gage, les gars. Vous êtes malade, vous, quoi. Eh merde. Vous êtes malade, hein. Vous avez vu la difficulté du bazar, hein. En fait, je pense qu'il faut que j'évite le chevalier. Le problème c'est que j'ai déjà mal quoi, c'est ouf hein. Y'a pas de zombies. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui m'a fait mal. Est-ce que c'est lui ou pas? En fait le Doloris il a pris extrêmement cher quoi.
Je sais pas comment les esquiver, ces crânes. On en revient au délire que il faudrait que j'essaye de focus d'abord le Doloris, parce que le Doloris a l'air d'être beaucoup plus sensible aux dégâts que le chevalier de l'effroi. Et une fois que j'en ai tué un, je pense que c'est beaucoup plus simple de... Ah bon, après... vous le voyez, ça se passe pas vraiment comme prévu, quoi. Ah, mais barre-toi! Ah putain, j'étais moitié paralysé. Ouais, faut se barrer, faut pas trop rester. Comment tu veux que je sache ça? Comment tu veux que je sache que le chevalier de l'effroi, il m'attend? Il m'a regardé, il a fait... Oh, bah tiens, qui voilà? Inspecteur Gadget. Là, c'est inspecteur Coupe-Net. Quick, quick. Brr. Voilà qui voilà. Ils sont où les zombies là? Comment voulez-vous que je me régène? What? Oh, munitions épuisées! Oh non! De pute. ça fait deux fois que ça m'arrive, ça. J'aurais pu en tuer un là. C'est moi où la Gatling fait beaucoup plus mal que qu'un tir de BFG. Parce que là, la Gatling, je le lave le bazar. Putain! Bon, j'arrive à tuer super vite. Alors, me demandez pas pourquoi, mais la Gatling, apparemment. Overkill! Je vais essayer d'abîmer les deux. C'est pas une très bonne idée, mais. Faut clairement en focus un, mais. Putain, munitions épuisées! Mais c'est pas possible! Ha!
Faut que je fasse gaffe à mes munitions. Je crois que je vais aller tuer direct un zombie en bas là. Pourtant j'utilise la Gatling quoi. Wow. Oh, bah là. Oh non mais j'avais plus de vie. J'ai pris une attaque du cairn sanglant là. En fait le problème c'est qu'il faut réussir à buter peut-être le cairn sanglant avant, mais comme il réapparaît, c'est un peu relou quoi. Comment tu veux te battre contre les deux? Peut-être que le mieux ce sera en fait de baiser le chevalier, parce que le chevalier au corps à corps il est pénible. Je sais pas. Parce qu'il a l'air de galérer quand je me déplace. Parce que quand je suis au sol il galère, mais. Ça, je m'en suis bien sorti. Je lui fais plutôt mal. Et là, j'arrive pas à les... Ah, mais j'aurais dû utiliser la Gatling aussi. Bah ouais, je suis con, j'essaye de tirer dessus aux pompes. Ouais. Est-ce qu'on peut s'accrocher au mec du milieu avec le grappin? Ah, ça pourrait être pas mal ça pour essayer avec le déplacement. Ah oh, bordel, il est pas mort du coup. Zombie. Il y en a un là-bas, ouais, il y a le cairn sanglant aussi. Zombie. Il rentre pas de vie en vrai. Hein. Oh putain! Je m'attendais pas à... Oh voilà, si je survis... Ouais, non mais là... Les téléporteurs, c'est bien, mais en fait le problème... Tiens, tu me diras... Le problème c'est que quand tu recules et que bah là tu te retrouves à prendre un téléporteur alors que bah t'avais pas du tout envie, ça fait un peu bizarre. Oh, j'ai pas touché. Ouais, je peux aller là en fait. Ah non!
Oh, vous êtes sérieux? Putain, par contre, ça fait deux fois. Enfin, ça fait. Ouais, à chaque fois, je le mets. Je le mets pas beaucoup de vie. Et je me fais avoir comme un con. Par contre, c'est une bonne idée de reculer vraiment derrière. Parce que. Le chevalier de l'effroi, il a l'air perdu, le pauvre. Il a l'air perdu, mais il vient quand même, hein. En fait, faudrait que je reste là, en haut. Et parce que au chevet de l'effroi, j'ai l'impression qu'il arrive pas à venir rapidement derrière, quoi. Et au pire, s'il vient sur moi, je le. Je l'esquive un peu, quoi. Après, c'est si le Doloris il s'approche, lui, ça fait mal. Ouais. Au pire, je lui envoie la sauce dès le départ. Vas-y, je vais essayer. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Boum, la sauce. Boum, la sauce. Un au moins. Oh, le cairn il est beaucoup plus dur du coup. Merde. Oh putain, le cairn. Ah, le maker sanglant, là, je sais pas quoi. Non! Quoi, pas de cible valide? Ah, je vais mourir. Avec le laser, mais putain! Bah oui, mais j'ai visé le zombie, pas le cairn sanglant. Ce chevalier qui voulait pas mourir aussi. Bon, allez. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique, là. Je suis assez content de moi. Du coup. Parce que le Doloris basique, il est pas dangereux en vrai. Hop. Mal là. Oh non, les lasers. Putain, les lasers, ils sont vraiment trop. Hein. C'est saoulant. T'es en train de te concentrer sur autre chose. Genre, le laser, il. C'est chiant. C'est même pas un ennemi, quoi. Merde. Dans ce compte-là, fallait mettre des lasers partout, quoi.
Bah ouais, mais putain de laser de merde. Mais c'est chiant. Ah, ça m'énerve parce que là, je me. Le pire, c'est que si je suis resté sur les plateformes là, je suis sûr que c'était ok, il n'y avait aucun problème. GG Wallplay. Parce que là, le Doloris, maintenant, on le bat tout le temps. Oh là là, non, soit les lasers, soit le cairn sanglant, mais il y a vraiment un truc de trop en fait. Tu enlèves un de ses composants, le boss il est faisable, ça va quoi, il n'y a pas trop de problème. Et là, c'est juste relou. C'est vraiment relou. Encore maintenant, les deux démons possédés, je trouve que c'est pas les pires. Je trouve pas que ce soit la pire des choses en vrai. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Bon, bah alors là. On va récupérer les munitions pour. D'accord. Allez! Putain! Pas de glory. Un glory kill, s'il vous plaît! Oh, le pire. Oui. Yes. Oh putain, laser de merde. Ils sont les zombies. Rah. Là. T'en occuper, c'est pas possible. Après, je devrais pas utiliser fusil. Le problème, c'est que le fusil, le premier fusil à pompe, il est facile du coup de mettre en glory kill les zombies. Le problème, c'est que tu peux pas te défendre face au maker sanglant, et du coup, c'est chiant. Donc, il faudrait le fusil d'assaut. Sauf que le fusil d'assaut, des fois, bah, il tue les zombies, et c'est chiant. Parce que des fois, t'as besoin de récupérer ta vie. Je vais regarder s'il réapparaît dans longtemps. Oh! Déjà? Ok. Je sais même pas ce qui m'a touché. Ce serait juste le lance-roquette qui aurait fait autant de dégâts. Parce que j'ai quasiment pas de tiré sur le Doloris. Ah putain, c'est relou! C'est relou, tu peux pas t'occuper du. C'est énervant en fait, parce que t'as toujours une menace que tu peux pas avoir à l'œil. Tu peux pas et garder le Doloris et garder le chevalier tout en faisant gaffe à l'emplacement des zombies, plus faire gaffe au laser et le cairn sanglant, quoi. C'est tu peux, le maker sanglant. J'ai dit, il y a vraiment un truc de trop en fait dans ce combat de boss. C'est relou. Lequel.
Ah bordel, je fais n'importe quoi, évidemment. Hop, il s'est prise. Oh putain, mais il vient d'apparaître. Mais sérieux, mais comment je peux savoir qu'il est là? Et lui, comme par hasard, il se met au niveau du téléporteur. Bah ouais. J'ai voulu faire un truc, mais j'ai pas réussi à me raccrocher à un rebord. Donc là, c'était évident. C'était évident. Ah putain les lasers. Ah oh, c'est relou les lasers. Je pense que ça me frustre beaucoup plus que le Maker sanglant parce que c'est pas un adversaire, c'est... J'ai l'impression que ça a été posé là en mode... Et en plus il doit éviter les lasers. Ça c'est honteux de pas y avoir pensé. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah d'accord. Je crois savoir de quoi tu... Qu'est-ce qui est honteux? Meurs. Bah putain. Bah putain. On dit la mine John Cena. En vrai, ça a l'air plus facile de tuer le chevalier. Parce qu'il bouge moins, ce con. J'ai l'impression que tu peux plus le banane. Raté mon tir. Ah non.
Mais il y a des dégâts de zone partout, putain. Le Kernmaker, il est... T'as un Kernmaker qui est en mode, yeah, on t'a envoyé des attaques de zone et le chevalier de l'effroi est là, ouais, cool. Évidemment. Ah là 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 là. Évidemment. Mais bien sûr que si, qu'il y a une cible. Ah oui, le cairn sanglant. Enfin, le maker sanglant. Oh, il est chiant aussi. C'est... Les lasers sont déjà bien relous, quoi, lui. Ah, tu peux le niquer au fur... Ah, attendez. Ça, je savais pas, ça, que tu pouvais le niquer avec le tir secondaire de, du fusil à pompe. Quand tu veux. Mais non, mais pourquoi t'as pas fait le glory kill? Attention laser. Allez. Oui ? Oui ? Oui ! Putain ! En fait, vaut mieux focus le chevalier en te mettant à couvert du Doloris et du Kernmaker. En tuant le Kernmaker, ça va, le temps qu'il rapasse le Kernmaker, enfin le Maker sanglant, t'as le temps de... T'as le temps de quand même de... Bah en fait c'est pas que c'est tout con, c'est que c'est une question de... Il faut que tu te mettes à couvert du Doloris. Surtout le Doloris possédé, parce que le Doloris en lui-même, bon ça va encore. Il faut pas que t'hésites à arrêter de te battre pour aller te redonner de la vie, des munitions et tout sur les zombies, parce que sinon tu vas te faire niquer. Et en vrai, quand t'as tué le Maker sanglant... Tu peux envoyer deux tirs de BFG comme moi là. Et du coup, t'as forcément, si t'as bien entamé un des démons possédés, t'en as forcément un qui va tomber. Donc là, tu t'en occupes vite fait. Et le deuxième, bah ouais, avec le lance-roquette, tu lui balances 3-4 rafales de 4 roquettes. Bon, il ferme sa gueule quoi. Mais. Ça plus la Gatling. Les dégâts sont là, hein, mais. Il faut pas hésiter, enfin c'est plus nous, la survie de notre personnage quoi. Eh, je crois que la dernière fois on a bloqué une heure dessus, un truc comme ça. En vrai, 2 heures pour le passer, c'est pas énorme, mais ouais, il y a la frustration. Donc là on utilise l'orbe du Seigneur des Ténèbres. J'ai bien fait de lui mettre son costume classique du coup.
effroyable, car seul le plus fort peut diriger les démons. Il est votre pendant dans leur monde. Oh merde! C'est un Doomguy mais des enfers! C'est un Doomguy démoniaque! LOL! C'est le Doomguy démoniaque! Non! Après les Link obscurs! Les Doomguy d'obscurs! Et voilà, et comme je l'avais dit, c'était vraiment la fin, quoi. On était vraiment, vraiment à la fin, quoi. Yes! On n'aura pas utilisé l'armure Praetor. L'armure Sentinelle, pardon. Mon ego est sauf. Mon ego est sauf. Eh ben, vraiment pas mal ce DLC, hein. En vrai, hein. Il m'a fait une dizaine d'heures, hein, même plus. Ouais, 11h, 10h, un truc comme ça. Bon, en vrai, moi, Doom Eternal dans les doigts, donc c'est normal. Il y a des gens, ils ont jamais arrêté d'y jouer et ils l'ont fini en 5 heures. Ouais, bon, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Évidemment. Évidemment, évidemment. On va aller regarder s'il y a des nouveaux niveaux maîtres. Parce qu'on va pas s'arrêter là comme ça quand même. Je vais essayer de vous faire un stream d'au moins 1h30. Faut pas déconner. Hein. Tour exploratrice, allez vous faire foutre. La vérité c'est que vous savez ce que je claquerais bien là. Mais bon, quelque part, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Moi je serais chaud pour partir sur le DLC de Pokémon. Parce qu'apparemment le DLC de Pokémon il est pas... Vous m'avez dit vous-même qu'il est pas ouf. Bon, Isole Armure c'est vrai qu'en 5-6 heures c'était fini. Hein. Enfin c'était pas un truc incroyable quoi. Donc si c'est du même acabit, ça durera pas longtemps quoi. Ouais et puis ça fera un petit truc pépère comme ça, c'est pas mal. Parce que là je peux encore jouer jusque 2 heures du mat. 23 heures. Quasiment 23h si on lançait maintenant. 23h, minuit, 1h, 2h, ouais, ça fait 3h. Ça fait 3h de DLC Pokémon. Je vais regarder quand même si un niveau maître ou un truc comme ça sur Doom, hein, mais. Il est pas ouf, c'est parce que tu trouves ça niais, mais sinon c'est cool. Bah. Parce que moi j'ai l'impression que le deuxième DLC là il a l'air vachement mieux que le premier hein. Par rapport à tout ce qu'ils ont ajouté. Tous les Pokémon légendaires rencontrés un gage. Mais tu les rencontres comment? C'est des raids ou... Parce que les raids, moi je trouve ça relou. À la fois je trouve ça intéressant les raids. Le fait que t'es obligé de les faire en multijoueur par contre je trouve ça relou. Ou avec des ordinateurs en coéquipier. Parce que... En fait, c'est le même problème que j'ai avec Pokémon Go, c'est que j'aime pas cette mécanique, ce fait de toujours vouloir faire qu'on fasse tous ensemble. Moi, je préférerais que ce soit 100% solo, et voilà, quoi. Toutes les 30 secondes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a des soldes sur les Pokémon légendaires, ou quoi? C'est particulier. Ok. On va voir ça. Puis comme ça, j'aurais refait un DLC de plus, quoi. De toute façon, là, tout de suite, maintenant, pour 3 heures... Je vois pas trop ce que vous voulez que je lance, quoi. On pourrait lancer sa torneille ou un truc comme ça, enfin, pour faire le dernier de la trilogie, mais... En tout cas, Doom Eternal, le DLC, il est vraiment cool. Hein. Bon, 3 niveaux, mais 3 niveaux très longs, quand même, déjà. Les environnements changent un peu. Bon, le premier... en fait, le premier, waouh, trop bien, des phases sous-marines. Mais en fait, tu fais rien, quoi. Dommage. C'est ça qui est dommage. Jeu en rab.
C'est pas que j'ai des jeux en rap, c'est que dans les j'ai des jeux à faire. À faire en stream. Alors, à faire en stream, j'ai Mass Effect 2, Mass Effect 3, Mass Effect Andromeda. Je dois refaire The Witcher 3, je dois refaire The Kingdom Come Deliverance. Quand je dis refaire, c'est qu'en gros, je dois rusher un peu. Hein. Mass Effect 2, c'est pareil, faut que je le rush. Assassin's Creed 2. Ace Attorney Trilogy, donc le troisième et dernier jeu. Baldur's Gate, Dark Alliance, pas Dark Alliance, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2. En fait, le plus facile, ce serait que je lance. Ah, mais je peux passer. Je ne savais pas. Je ne savais pas. On l'a pas fini à 100% par contre parce que on n'a pas pu faire le creuset du 2. Du monde 2. Mais ouais, les trois mondes ils sont plutôt pas mal. Hein. Bon, j'avoue que j'aime bien le monde du 2 là dans les marais. J'aime bien le délire, mais. Et c'est vraiment un niveau relou. Hein. C'est vraiment un niveau relou. Dans la campagne alors? Niveau maître. Ah, t'as toujours que deux niveaux maîtres. Ah, je les ai fait les niveaux maîtres. Bon. On n'a plus qu'à attendre le deuxième.